Abonne-toi et mets un like ou cette araignée apparaîtra dans ton lit ce soir, alors ne prends pas le risque. Hey, quoi de neuf les gars, c'est Zartek, j'espère que vous allez bien. Dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons voir Michou et Elsa qui se sont embrassés. Et Noxtag est arrivé et il était choqué en voyant ça. Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin car vous allez voir, je vous ai gardé un petit extrait dans cette vidéo. Et dans celui-ci, nous allons voir un gros bisou entre Michou et Elsa. Alors franchement, restez bien jusqu'à la fin car vous allez être étonnés. Alors commençons avec un premier clip et dans celui-ci, nous allons voir Michou qui demande un bisou à Elsa et vous allez voir qu'elle ne refuse pas. Alors écoutez bien l'extrait. T'as vu la story? Ma gueule. J'ai pas le droit à un petit bisou. Fais-moi une belle rumba et on verra. Oh! Dans la prochaine story, nous allons voir Michou qui déclare sa flamme à Elsa. Vous allez voir comment il s'y prend, c'est quand même plutôt drôle. Alors regardez bien l'extrait jusqu'à la fin, vous allez voir que c'est plutôt mignon de la part de Michou. Alors maintenant, ne perdons pas plus de temps, maintenant cela dit, nous allons regarder le clip ensemble. Regardons l'extrait. Les gars, je profite qu'il y a Elsa à Webedia. On range le studio. Arrête. Mais je te mets une couronne, oh, c'est gentil. Mais grave. Oui mais Elsa, c'est toi la reine. Dans le prochain clip, nous allons voir Michou qui reçoit plusieurs cadeaux à chaque fois quand il va à Danse avec les Stars. Et en fait, c'est des cadeaux cachés de Elsa et franchement, c'est super mignon de sa part. Alors nous allons voir quel est ce cadeau et aussi si c'est bien elle. En tout cas, regardons le clip. Et allez frérot, c'est les quarts de finale aujourd'hui. Les quarts de finale mon grand. Oh là là, j'ai encore un bouquet de fleurs, c'est dingue chaque semaine. Chaque semaine on m'offre des fleurs mais il y a quelqu'un qui m'aime en secret, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Elsa offre des fleurs à chaque fois à Michou et c'est quand même plutôt mignon de sa part. Alors nous allons maintenant voir si c'est vraiment elle, mais vous allez voir qu'elle était gênée quand Michou lui a demandé si c'était elle qui lui offrait à chaque fois des fleurs sur sa table. Et nous allons maintenant voir la réaction de Elsa en direct. Et franchement, elle est plutôt gênée et elle essaye d'éviter la question. Elsa, c'est toi les fleurs dans ma loge? Peut-être. Peut-être? Dis la vérité, c'est toi ou pas? Je saurais jamais. Moi, je pense que c'est elle, les gars. Je pense qu'Elsa m'aime en secret, mais elle assume pas. Ton admiratrice secrète. Comme vous devez le savoir, Michou était parti à Dubaï pendant quelques journées et ce qui s'est passé est plutôt marrant. Il a pris son téléphone, il a fait une story sur Instagram et il a tout simplement dit à la caméra qu'il allait regarder Koh-Lanta, mais ça c'est pas le plus important, c'est tout simplement que Elsa lui manque et franchement c'est le meilleur moyen pour dire qu'il l'aime. Maintenant cela dit, regardons le clip. Eh hey les gars, y'a Koh-Lanta, y'a Koh-Lanta, même à Dubaï ça regarde Koh-Lanta frérot, là à Dubaï là il est minuit 20, ça veut dire qu'en France il est 21h20, donc Koh-Lanta va commencer, a même peut-être commencé, donc là je vais aller sur mon tel, my TF1, bah Banks, on va regarder Koh-Lanta mon grand, attends c'est important, même à Dubaï on suit, eh. Hey. Mais bon, Koh-Lanta sans Elsa, sans les sushis, c'est pas un vrai Koh-Lanta quoi. Maintenant regardons un extrait du live de Michou quand il a répondu à des questions de ses abonnés qui portaient sur le sujet de Elsa et Michou. Et ce qu'il va répondre c'est plutôt intéressant, alors vraiment regardez le clip jusqu'à la fin car il a répondu à des questions que tout le monde se pose, même moi le premier. Alors regardons ça ensemble. Vous allez trop bien ensemble. Bah merci, on est des partenaires de danse, on est des jolis partenaires de danse. En vrai t'es juste un peu raide mais ça va, ouais bah ça c'est... Ça c'est dur hein, quand t'as jamais dansé, hein. Ça se travaille. Hein. Ça se travaille. Eh par contre les gars, vous êtes des forceurs. Non par contre, vous êtes des forceurs. Eh j'ai eu trop de messages. Eh non par contre, vous êtes des forceurs. Arrêtez en vrai. J'ai eu trop de messages en mode « Ouais, t'es amoureux. Oh Michou, attention, tu vas tomber amoureux. Michou, on sait que t'es amoureux d'Elsa. » Eh les gars, vous êtes trop chiants. Vous êtes trop chiants. Non en vrai... Regardez, il n'y a que ça là. Sûr, t'es en crush, tu es en couple avec elle, t'es amoureux, t'as allé la pécho. Mais les gars, mais arrêtez. Mais laissez-moi, mais laissez-moi. Mais non. T'as pas dit non, bah non. Dans le prochain clip, nous allons voir Michou qui était au Z-Event et il a dû faire un prank à Elsa. Et à la fin, elle était plutôt déçue que c'était un prank, car il a avoué ses sentiments et elle a dit qu'elle aurait bien voulu que ce soit vrai. Ce qui nous laisse entendre qu'elle l'aime vraiment. Alors nous allons regarder le clip pour savoir s'ils sont vraiment en couple. Car oui, c'est la question que tout le monde se pose. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une surprise. Alors regardez bien. Allô Elsa, ça va? Ça va et toi? Ça va, te dérange pas? Non.
Je t'appelle pour te dire un truc assez important. T'as vu, en fait, là, tu vois, je t'ai dit, je partais dans le sud, là. Et je me suis rendu compte, être loin de toi, en fait, c'est compliqué parce que ça fait 2 mois, on danse ensemble tous les jours. Et je me rends compte que, il y a, je sais pas, dans la danse, je ressens des trucs avec toi. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie, là? Bah non, mais c'est la vérité. Quoi? Mais non, mais c'est la vérité. C'est la vérité de quoi? Ben, je crois que j'ai des sentiments. Mais tu t'en fous? Ah, pour toi, c'est que de la danse. Ok, moi je pensais que je me disais le tango argentin, le rapprochement et tout, j'ai jamais ressenti ça avec une fille. Bah c'est quand même quelque chose de important. Les gars, j'ai pris une giga rocale. Ok, on se revoit lundi. Oh merde. Soldat à terre. Oh. Elsa, y'a un problème. T'as vu, je t'ai dit que j'étais un truc où je fais des lives, y'a des gages et tout un peu. Et en gros, avec Inox, on a fait un combat. Sans faire exprès, je lui ai sauté dessus et je me suis fait grave mal à la jambe. Non, je pense que là, je vais plus pouvoir danser. C'est Inox, il voulait qu'on se batte. Le truc, c'est qu'il m'a fait grave mal. Parce que t'as vu là, je boite un peu. Sur la danse, des fois, on va. Dans la choré là que tu fais, essaye de pas trop faire de moments où je bouge sur mes pieds. Bon, peut-être que depuis tout à l'heure, je te taquine un peu. Mais c'est pas vrai, je vais bien. Elsa, je me tiens un secret, je suis en live. Je te jure, mais en fait depuis tout à l'heure je t'appelle, je suis en live. Et c'est pour ça que je t'ai appelé tout à l'heure. J'espère que ça t'a pas mis mal à l'aise parce que c'était bizarre comme appel. Non mais je t'avoue du coup je suis un peu déçu. On en reparle après, bisous. Les gars, elle a dit quoi là? Attendez, elle a dit quoi là? Elle a dit je suis un peu déçu. Maintenant, le moment que vous attendez le plus, c'est bel et bien Michou et Elsa qui s'embrassent en live devant des millions de personnes. Car oui, c'était devant Danse avec les Stars. Pendant leur chorégraphie, ils se sont embrassés à la fin. Et franchement, moi je trouve ça super mignon. Et bien sûr, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement, le couple Michou et Elsa, c'est vraiment du feu. Alors vraiment, si vous aussi vous trouvez ça incroyable, mettez un gros like sur cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour voir de nombreuses autres vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer à l'écran pour aller voir une de mes autres vidéos. Car si celle-ci t'a plu, les autres te plairont aussi. Alors à tout de suite mon pote.